Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous montrer un album que j'ai fait en tuto. Donc c'est un album que je voulais faire depuis longtemps, mais bon, ça a été repoussé, ça a été repoussé. Il y avait des choses à faire et puis j'ai été malade. Donc voilà. Donc un peu pas printanier, un peu avec des couleurs pastel, rose, bleu pastel, un peu de vert d'eau aussi, mais très peu. Donc c'est avec la collection Airbud Colique, de jolies créations. Donc Yannick vous remettra le lien quand je vous présenterai le papier juste après, avant de commencer l'album. Donc voici l'album. Donc j'ai utilisé aussi un tampon florilège qui me faisait ressembler, parce qu'il y a un papier vellum et il y a un branchage qui me fait beaucoup ressembler donc à ce tampon. J'ai oublié de le dire peut-être dans la vidéo, mais j'ai tamponné avec la Versafine noire. Et j'ai fait un peu d'aquarelle avec la plaque de chez Action. Donc là, j'ai rien tamponné du tout. J'ai découpé un appareil photo. Et puis, donc, il est simple. Mais on peut compliquer l'album tout en... Enfin, c'est-à-dire que pour moi, il est simple. La structure est simple. Simplement, après, on le complique avec la façon de... jouer avec les pages, vous verrez, de découper ou de jouer avec les pages, ça paraît très compliqué quand elle est terminée, mais au départ, il est très simple. Ce sont deux feuillets avec deux U l'un dans l'autre, donc c'est très simple pour moi. Et comment essayer de compliquer un album avec quelque chose de départ de facile? Voilà, donc je vais vous laisser avec le tuto. Donc il est un peu plus long que d'habitude parce que je ne suis pas une reine de la pose des œillets que vous voyez ici, donc ben, j'ai tout laissé, je vous ai même laissé les moments chaotiques avec mes œillets, comme ça vous verrez que c'est pas toujours facile, voilà. Et puis voilà, ben, j'espère que ça vous plaira, je vous laisse avec le tuto, oh, le tuto, pas le tuto, le tuto, et puis je vous laisse, ben, je vous laisse avec, et je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à bientôt, merci! Bonjour, voilà. Donc pour commencer cet album, je vais utiliser le papier les jolies créations et je vais prendre la collection Un air bucolique. Yannick vous remettra ici en information le i où je présente ce papier. Donc j'utilise ce papier. Je vais utiliser une toile Aïda, donc bleu ciel. Je trouvais que ça allait très bien donc avec les nuances par rapport à ce papier. Et en basil, je vais utiliser des collections. Par exemple, celle-ci, donc c'est Pétale douce. Je vous montre ici. Pétale douce. Donc c'est un rose un peu dragéifié, on va dire. Et ensuite, je vais utiliser aussi un bleu. Vous voyez, dans les mêmes couleurs que la toile Aïda et un peu dans les couleurs du papier. Donc celui-là, le bleu, c'est poudre bleue. Donc c'est un basil. Alors est-ce que ça fait le point ou pas? Oh, difficile, difficile. Là, poudre bleue, voilà. Donc c'est un basil aussi, hein. Hop, voilà. Donc je vais utiliser ça, cette collection-là. J'avais avec cette collection-là pris on va dire des planches de chipboard que j'ai simplement c'était déjà prédécoupé que j'ai enlevé, hein. Il y avait aussi des petits tags comme ceci. J'ai préparé, donc ça c'est alors pas tous, hein, mais il y en a de certaines couleurs que je vais utiliser, comme ceux-là que j'avais acheté à version scrap pour faire l'album. Je ne sais pas, je l'ai préparé. Je vais faire le même, mais je vais vous le faire donc en tuto, bien sûr, hein, comme je vous ai dit, celui que je vous avais montré. Donc Yannick, pareil, vous remettra le lien de cet album-là, qui était un album avec plein de pliages à l'intérieur. Donc je vais utiliser ça, je vais sortir du ruban, mais qui est plus dans ces tons-là printaniers, couleur rose, bleu, qui fait plus penser donc à un début d'été. Voilà, donc ça, je vais sortir aussi des tampons bois qui ressemblent assez à ces fleurs, à ce feuillage-là, et faire un petit peu d'aquarelle, puisque dans ce papier, il y a un peu d'aquarelle aussi. Voilà, donc je voulais vous montrer sur quoi je suis partie, sur quoi j'ai préparé. Je n'ai pas préparé les tampons feuillage, mais j'ai un tampon florilège qui ressemble beaucoup à ça, et que j'ai regardé, et qui irait très bien sur la couverture, par exemple. Enfin, là, c'est une idée, hein. Je suis au début. Vous avez vu l'album, mais moi, je vous montre ce que j'ai dans ma tête au départ. Voilà. Voilà, donc,
j'ai découpé ma toile Aïda. J'ai fait donc le découpage de cartonnette que j'ai demandé à Yannick. Donc deux morceaux de 22 cm sur 14, il m'en faut deux. Et la tranche du milieu qui fait 22 sur 3. Ça, ça devient habituel, hein. Donc, chose que j'ai faite sur un album que j'ai fait pendant Noël, au mois de novembre, c'était avec de la toile Aïda rose pâle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et j'avais donc mis sur ce côté-là de la colle comme ça. Chose que j'ai faite, mais qui m'a fait une tache ou deux. Ce que j'ai envie de faire là, donc là j'ai mis, comme vous voyez, au recto, des bouts de double face. Je vais les enlever, je vais positionner mes cartonnettes pour qu'ils soient bien positionnés, ce qui va les, on va dire, stabiliser sur la toile Aïda. Donc je vais bien mettre mes cartonnettes comme ceci, en enlevant le double face. Et ensuite, je couperai mes coins et je collerai simplement mes quatre coins. Donc je vais faire avec vous le placement de ces cartonnettes pour que vous voyez l'idée que j'ai. Alors, je n'ai pas d'ongle, alors sans bien sûr mon, on va dire ma passe épilée, impossible pour moi de retirer ce double face. Alors, je place, excusez-moi avec mon nez, des fois les mots sortent mal, ou ma tête. Voilà, en plus sur une toile Aïda, il y a les traits, donc c'est vrai que c'est facile de placer droit. Ici, donc, vous voyez, elle n'est pas collée entièrement, elle est simplement, on va dire, stabilisée. Et l'autre côté, on ne voit pas du tout que j'ai mis de double face. C'est ça qui est très bien. C'est que ça permet simplement de pouvoir avoir une cartonnette qui ne bouge pas pendant qu'on colle les quatre côtés de la toile. Voilà. Donc, je viens placer ici, donc comme je vous ai dit, la facilité avec la toile Aïda, c'est d'avoir une ligne de conduite qu'on ne peut pas rater. Voilà, en haut et en bas. Hop. Donc simplement pour placer. Touc. Et touc. Voilà, et je place ma dernière cartonnette. Bon, vous pouvez mettre hein, votre si vous avez gardé une chute de carton pour, mais moi j'en fais tellement souvent, hop, voilà, que voilà. Donc vous voyez, c'est pas collé, hein, y a rien de collé, rien n'est collé, c'est simplement stabilisé. Et vous voyez derrière, il n'y a pas de tache, ça ne fera pas de tache parce que j'avais une ou deux taches qui restaient sur cette toile au mois de novembre pour les fêtes de fin d'année et ça m'avait perturbé. Donc là, je vais couper les quatre coins et je vais pouvoir donc utiliser ma colle Cléocolle hein, de chez Cléopâtre. Donc je vais en mettre sur ces quatre coins et les rabattre, tout simplement. J'en aurais pas mis de colle sur ce côté-là, sur le côté de la couverture, ça ne se verra pas. Et ça, ça va être recouvert, on va dire, par le papier. Voilà, donc je vais couper les quatre coins et je vais faire donc le pliage de mes quatre côtés que je vais faire avec ma colle blanche. Comme ça, j'aurai ma couverture de fait. Donc ça, je pense que vous savez bien le faire. En plus, dans ma playlist tuto, vous avez hein, le fait de parce que je vous avais fait la vidéo pour faire la couverture intérieure, couverture extérieure. Yannick vous mettra une des deux. Là, il vous mettra certainement comment replier. Mais je pense que au fur et à mesure de faire des albums ou même les nouvelles personnes qui arrivent, vous avez dans ma playlist tuto comment faire une couverture extérieure et intérieure. Voilà, donc je fais ça et je vous montre. Voilà, donc je viens de rabattre mes quatre côtés. J'ai coupé mes angles comme d'habitude. Alors, j'aime bien faire les angles par rapport à la toile Aïda. Si ça fanfoluche un peu, si vous avez des bouts de tissu qui passent, vous mettez un peu de colle sur votre doigt et vous arrondissez avec la colle et vous la laissez bien sûr sécher, durcir. Et voyez, vous avez un rond, enfin un coin bien rond, bien fait. Je n'ai jamais beaucoup besoin de mettre de coin quand je fais avec de la toile Aïda avec la colle, hein, je mets un peu de colle taquiglou sur mon doigt et puis je l'applique sur les coins
s'il est pas bien rond, carré, ou bien où il y a des fils qui dépassent, eh ben ça le, on va dire, ça le forme bien. Vous le formez avec vos doigts et vous laissez sécher, hein, une heure ou deux. Et voilà, donc vos coins. Et ben moi je trouve que ça fait des beaux coins. Voilà, une petite aparté. Donc pour vous dire que voilà, donc ma couverture est faite, hein, ma couverture extérieure. Hein. Voilà, donc à l'intérieur, je vais mettre donc du rose, le rose que je vous ai montré au départ, Basil. Donc ça, c'est un morceau qui fait 9 par 21,5 pour mettre ici. J'ai fait un pli à 3 pour vous expliquer, parce que quand je colle, excusez-moi, je vais vous montrer, quand je colle, donc vous verrez toujours dans ma playlist tuto, il y a couverture intérieure et extérieure. Je vous explique comment on fait. Mais quand je colle, je viens coller ici. D'abord, j'en colle ici. Ma partie, excusez-moi, ma partie qui est ici. Je viens la coller bord à bord ici de mon premier pli intérieur. Et après, je viens en coller le milieu et je vais plier avec mon plioir pour faire le dernier pli. Parce que des fois, ça ne tombe pas toujours juste. Donc, je colle ma première partie, ensuite je colle mon milieu et ensuite je mets de la colle sur le restant et je fais le pli de ma reliure avec mon plioir. Donc je vais faire ça et ensuite je fais deux morceaux de 21,5, hein, puisqu'ils font, j'ai décidé de pas faire, parce qu'on peut faire 22, hein, puisque comme il y a une couverture, vous pouvez faire 22, hein, mais là j'ai fait du 21,5 pour dire qu'on voit bien le bleu et le rose, voyez, pour que ça fasse... pour que ça laisse comme ça un bord. Hein, on peut pas. Moi, je fais d'habitude bord à bord. Hein, et là, j'ai décidé de faire moins pour qu'on laisse un peu ce bleu passer de la, cette toile Aïda bleu pâle et ce rose. Donc, j'ai fait deux morceaux de 13,5 par 21,5 pour venir coller ensuite à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et là, de l'autre côté. Comme ça, donc, mon intérieur d'album est effectué. Voilà, donc l'intérieur est collé, donc j'ai collé, comme je vous ai dit, ma première tranche, j'ai collé le milieu, et ensuite j'ai fait mon deuxième pli. Et ensuite j'ai collé mes deux parties qui font 13,5 par 21,5. Donc comme vous voyez, j'ai pas fait du bord à bord. Vous voyez, donc là non plus, comme ça, ça permet donc d'avoir eh ben, quelque chose où on voit le bleu et le rose. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors, ce qu'il va avoir à l'intérieur, c'est qu'il va avoir simplement deux livrets. Donc deux livrets composés de chacun, ça y est, je recommence avec mes livrets et mes feuillets, mais deux livrets avec à l'intérieur deux feuillets. Donc quatre feuillets pour deux livrets. Alors, sur le premier livret, donc j'ai pris une feuille bleue et une feuille rose. Donc dans ma feuille rose donc mesure 26 par 21. Un pli à 11,5 et un pli à 12,5. Vous voyez, pour avoir une tranche de 1 cm. Donc, 26 par 21. Toute la hauteur de l'album intérieur fait 21 sur 26. Un pli à 11,5 et un pli à 12,5 pour avoir une tranche de 1 cm. Donc, je la plie. Ça, je vais mettre là, comme c'est fait la couverture. Je fais mon deuxième pli. On va faire 3. Voilà, comme ça j'ai mon premier livret. Mon premier feuillet, pardon. Voilà, donc ça, c'est mon premier feuillet. Mon deuxième, il fait 22,5 par 21,5. Donc 22,5 par 21,5. On va le tenir comme ça ou comme ça. Donc mon premier pli est à 13,5 et mon deuxième à 14 pour avoir une tranche de 0,5. Je plie. Donc la tranche, 1 cm pour le premier, 0,5 pour le deuxième. Comme ça, ça nous fait des feuillets séparés avec chacun deux livrets. Donc, je fais mes deux plis. Je me retrouve donc avec un deuxième feuillet qui va venir à l'intérieur, comme ceci. Comme ça, j'aurai mon premier livret. Vous voyez, livret que j'ai fait en U, mais qu'on ne va pas coller. Donc, ça sera tenu par un ruban avec des œillets, tout simplement. Mais bien sûr, à l'intérieur, on va faire des petites complications quand même. Mais bon, il est très simple à la base. Donc, ça, c'est le premier livret. Le deuxième livret est à peu près pareil.
Alors, pour le premier feuillet du deuxième livret, nous avons donc 26 sur 21. D'accord ? Pardon, c'est comme ça. 26 sur 21. Là, j'ai pris du bleu, comme vous voyez, donc pour interchanger les couleurs. Donc, j'ai fait mon premier pli à... Donc là, pardon, oh, je vais y arriver. À 6 cm, mon deuxième à 14,5, puis à 15,5 pour avoir ma tranche de 1. Donc 26 par 21, mon premier pli à 6, ensuite à 14,5 et mon troisième pli à 15,5 pour avoir ma tranche. Hop. Voilà, donc ça, c'est mon premier feuillet de mon deuxième livret. Voilà. Donc ensuite, donc, j'ai repris du rose pour faire mon deuxième feuillet de mon deuxième livret. Donc, il fait 22,5 sur 21 avec un pli, pardon, 13,5 puis à 14 pour avoir une tranche de 0,6. Alors, donc ça, c'est le feuillet de mon deuxième livret. Deuxième feuillet, deuxième livret. Donc, la dernière feuille. Donc, elle fait 22,5 sur 21 avec un pli à 13,5 et un pli à 14 pour avoir donc notre tranche de 0,5. Donc là, elle est un peu plus dure à faire, hein, 0,5, mais bien la marquer avec le piloir. Voilà, hop, hop, hop. Donc ça, c'est notre deuxième livret. Donc ça va venir à l'intérieur comme ceci, donc tenu par un ruban que je vous montrerai par la suite. Voilà, donc ça, c'est votre deuxième livret. Donc, premier livret, deuxième livret. Voilà, ils vont venir se mettre côte à côte, comme ceci, vous voyez, qui vont venir se mettre à l'intérieur, ici. Voilà, donc, premier livret, deuxième livret. Alors, celui-ci est mon premier livret. Donc, il se passe, enfin, et on va dire que moi, je l'ai mis dans cet ordre-là. Donc ici, donc c'est mon premier feuillet où j'ai 11,5. Donc 11,5 d'un côté, mon pli de 1 et le reste de l'autre côté. Donc ça, c'est mon deuxième feuillet. Donc, chose que je fais sur les feuilles, les parties qui font 13,5, ceux qui restent et qui font 13,5, je les coupe en deux. Alors, ce qui donne, on va dire, un mouvement qui se fait plus, alors qu'on a simplement coupé un feuillet en deux. Vous voyez, donc je vais vous montrer après comment je fais. Bon, c'est très simple, hein, mais c'est pour vous montrer. Donc voilà, donc pour mon deuxième livret, la partie comme ça. Et la dernière feuille qui fait 13,5 aussi après mon pli, je la coupe en deux. Ce qui donne quand même, voilà, on va dire, une fluidité par rapport et à pouvoir regarder celle-ci, regarder celle du bas et celle, voilà, pour vous montrer une autre technique, enfin une autre façon de faire un peu plus compliqué, simplement en coupant une page en deux, mais en la coupant jusqu'au trait du pli. Je vous montre, c'est-à-dire que vous la coupez jusqu'au trait du pli, simplement, pas au-delà, juste bien avant, comme ça, ça permet de ne pas se déchirer. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc ça, voici la composition de mon premier livret. Donc j'ai mes 11,5, j'ai mon deuxième feuillet avec mes 13,5, la feuille coupée en deux, ma petite partie, ma grande feuille coupée en deux. Donc mon premier livret. Je prends mon deuxième livret. Mon deuxième livret se compose ainsi, avec la pliure ici. Donc je tombe sur une grande partie de 13,5. Et ensuite j'ai mes deux plus petites parties. Donc je vais mettre de côté et je vais vous montrer. Donc comme ici ça fait 21. Je vais donc prendre 10,5. Vous allez me dire, bah oui, elle nous prend pour qui? Donc, je ne vais pas faire de ce côté-là, déjà. Je vais faire de ce côté-là. Excusez-moi. Parce que moi, j'ai un grain à mon papier. Un certain grammage et un côté plus lisse. Voilà. Donc, 10,5, hein, puisqu'il fait 21 de hauteur. Voilà. Moi, je ne le fais pas au massicot, parce que j'ai déjà eu quand même de sales mauvais tours. Je passe la... On va dire que je passe le pli, et puis après, ça se déchire. Voilà. Très succinctement, on trace le trait pour être sûr des droits. Ensuite, donc, je prends mon ciseau. Bon, moi, j'ai mon grand ciseau. Et donc, je viens... Moi, je fais au ciseau. Hein. Là. Et je m'arrête juste avant le pli. Vous voyez? Je ne coupe pas
je ne coupe pas le pli. J'arrête bien juste avant le pli pour avoir donc ici le fait d'avoir ces deux rabats qui où on peut jouer avec. Voilà, donc je vais remettre ici donc toujours le plus grand où il y a le la reliure centrale de 1, enfin le livret 1 cm et le 0,5 vient au-dessus. Donc là, comme mon 1 cm c'est bleu, je viens le mettre avant. Hop, et je viens mettre mes deux grands morceaux ici. Donc je vous remontre. Donc pour mon deuxième livret, ça s'ouvre comme ceci. Et je viens de couper avec vous en ligne le grand morceau de 13,5. Un petit morceau et un petit morceau. Voilà, comme ça vous avez vu par rapport à mes deux livrets, comment j'ai fait pour avoir plus de fluidité en coupant les morceaux en deux. Voilà, donc maintenant on va faire les trous, comme celui-ci. Les deux trous pour pouvoir mettre nos feuillets. Alors, donc là ils sont à 3 cm du haut et 3 cm du bas. Alors là après je vais vous expliquer, vous allez rigoler. Alors ici je vous montre de plus près. Donc 3 cm du haut pour le premier avec 0,5 de la reliure, enfin de la première pliure de la tranche ici. Et 0,5 du bord gauche et du bord droit. Mais à 3 cm du haut pour chaque point. Donc moi, je prends ma crocodile ici. Donc je ne peux pas prendre ma petite, la pince ne va pas jusqu'au bout. Donc je prends la plus grosse qui permet d'aller donc pouvoir faire des trous un peu plus loin. Alors, donc moi je prends le grand trou. Voilà, donc ça me fait mon trou là. Et le deuxième à côté. Voilà, donc j'ai mes deux trous. Hop, pardon. Là, j'ai laissé là. Alors là, moi, je vais couper un petit peu avec mon ciseau. Parce que c'est la folaïda et elle n'est pas collée, rappelez-vous. Et ici, j'ai mis deux œillets. Alors, les œillets que je vous explique. Donc, Yannick me les coupe avec un cutter. Parce que des fois, on va dire, c'est le bordel. C'est-à-dire que en 18 ans de scrap, c'est très rare que j'arrive à mettre un œillet sans l'avoir explosé. Alors je vous montre, vous allez rigoler. Regardez, mes œillets sont explosés. On peut dire explosés. Hein. Yannick a rabattu pour que ça soit bien plat. Parce que quand je vais venir mettre mon livret, ça ne se verra plus. Vous voyez, on va cacher. L'autre à côté, c'est encore pire. On va cacher avec le feuillet. Mais mes œillets sont explosés. Surtout ceux-là, c'est des Casey Art. Donc, il m'a fait pourtant avant 3 à 4, on va dire, traits pour dire que ça s'écrase bien. Hein. Bon, là, c'est le trou là. Et ici, donc, c'est comme ça, avec mon œillet mis par au-dessus. Je vais faire hors caméra mécanique parce que c'est vraiment quelque chose de qui m'énerve. Parce que je n'y arrive pas et je n'y suis jamais arrivée. J'ai mes œillets dans ma boîte. J'ai mes tout petits, mes plus gros. C'est très rare, mais alors très rare. Et pourtant, je peux m'entraîner à côté sur du papier libre. C'est très rare que je réussisse. Enfin, heureusement que Super Yannick est là et qui peut me réparer tout ça. Donc là, je vais couper mes petites fibres, parce que voilà, avec mon petit ciseau, pour dire que ça fasse plus propre et qu'on les voit pas passer de l'autre côté. Et je mets mes deux œillets. Voilà, œillets posés. Donc maintenant, donc la couverture et donc les œillets, je vais les laisser sur côté. Et je vais donc agrémenter mes livrets. Voilà, donc j'ai, on va dire, agrémenté mes premiers feuillets avec les feuilles fantasy. Donc j'ai tout utilisé, hein. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, j'ai pris mon premier livret avec mes deux feuillets. Donc la première page, vous voyez, donc j'enlève un peu 1,5 à droite et 1,5 à gauche et ensuite je colle. Là j'ai pris cette fleur avec ce papillon car je la trouvais très belle. Donc là je vais vous expliquer simplement comment j'ai fait, enfin qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ces pages et ensuite je vous expliquerai quand j'aurai garni le reste et pour mettre une photo. Voilà, donc là j'ai mis donc ce morceau de papier. Ici donc j'ai utilisé donc au milieu de ma page, bien sûr, je l'ai maté, c'est-à-dire que j'ai recouvert avec un demi centimètre sur chaque côté. J'ai mis, alors ça c'est le deuxième feuillet, on va faire après. Donc ça, ici j'ai mis une bande. Ma bande fait 21
sur 5. Et ensuite, j'ai enlevé 0,5 pour mettre plusieurs épaisseurs, pour dire que ça fasse joli avec du matage. Et j'ai mis un bout de double face en bas et un bout de double face en haut et en bas, pardon. Et cette carte fait 10 par 15, puisqu'on peut mettre une photo juste derrière, et je la glisse comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc, je vous montre pour jouer sur les couleurs, puisque c'est du bleu, ciel, vert, très clair, et puis rose. Hein. Donc, j'ai voulu mettre toutes ces couches par rapport à ce papier. Comme ça, la bande est très solide. Et je passe ma photo en dessous. Donc, soit vous la mettez comme ça, ou quand vous avez la photo, vous pouvez la mettre ainsi. Voilà, donc, pour ce côté-là. Ici, donc, les deux rabats hein, qu'on pouvait jouer, je vous avais dit. Donc ici, j'ai simplement découpé un heureux souvenir à collectionner. Donc c'est un papier où je voulais l'appareil photo. Donc pareil, on verra après pour les photos comment on pourra les mettre. Ici, donc j'ai mis une pochette en vélum. Je vous avais montré le papier vélum qui est très épais. Je voulais m'en servir. Donc c'est une pochette vélum acétate, hein, c'est comme vous voulez. Donc le vélum, donc ici, fait 12,5, donc 12,5 par 10,5. Avec ici, j'ai fait une encoche au milieu, c'est-à-dire ici, avec mon poinçon que j'ai, avec ma tablette à rainures, je l'ai enlevé. Donc dedans, vous avez une carte, comme ceci, que j'ai doublée. Donc cette carte fait 9,5 par 13, voilà. Et comme je l'ai doublé, que le vélum est assez épais, ça me permet de bien l'enfiler dedans, sachant que les trois côtés que j'ai collés du vélum, je l'ai fait avec du double face très fin. J'ai pris celui-là de l'hypocolle que je vous dis tout le temps, qui est super bien, et le très fin. Comme ça, ça me laisse un peu de place pour mettre bien ma carte, mais ça ne fait pas tout à fait les mêmes mesures. Vous voyez, ici, donc, trois côtés où j'ai mis deux doubles faces, et ça ne se voit pas du tout. Donc voilà, et là, j'ai recouvert avec du papier, vous enlevez 0,5. Ensuite, donc, le deuxième feuillet du premier livret. Donc là, j'ai pris ma page, je l'ai calculée en entier, et je l'ai coupée. Comme ça, ça fait une continuité, vous voyez ici, dans le papier, tout simplement. Donc voilà, et je fais, j'aimais bien ici ce graphisme, et là j'ai refait exactement pareil, une pochette en vélum avec donc une carte à l'intérieur pour mettre une photo recouverte derrière avec du papier fantaisie, tout simplement, aux mêmes mesures. Donc sur ma bande ici, donc j'ai voulu mettre, j'ai essayé de jouer avec quand même le papier, donc j'ai mis une bande entière tout en sachant qu'il faut toujours enlever 0,5, pardon, je vous ai fait bouger. Ici, la même chose. Voilà. Donc là, pour le premier livret, voilà comment j'ai fait pour pas l'embellir, hein, pour dire de mater et de mettre mon papier fantaisie. Donc maintenant, je vais vous montrer le deuxième livret. Alors, le deuxième livret, vous avez une page qui se plie en premier comme ça, du premier feuillet. Voilà. Donc celle-là, comme elle se plie, j'ai simplement mesuré de là à là et ensuite j'ai coupé pour dire d'avoir une continuité. Lorsqu'on ferme et qu'on ouvre, on retrouve, on va dire, le dessin en entier de la page. Donc, sachant que j'ai pris ma mesure, j'ai coupé et ensuite j'ai repris ma mesure. Hein. Vous ne coupez pas et vous ne mettez pas, ça n'ira pas. Donc, il faut bien prendre votre mesure, enlever 0,5, vous collez et ensuite vous faites la même chose en sachant que vous prenez votre mesure et que vous ne coupez rien sur ce milieu. Bien sûr, si vous avez à couper, c'est totalement sur ma droite pour que la continuité se fasse. Voilà, donc ici, j'ai simplement mis une bande de papier qui me restait avec une jolie fleur. Là, j'ai mis au fond du papier basil rose. Ici, donc, j'ai collé, mais je voulais avoir ces fleurs-là. Donc, j'ai collé, mais j'ai biseauté. Voilà, ici, j'ai fait une pochette. Mais alors, une pochette très petite, enfin, on va dire très, très peu profonde. Donc, j'ai collé sur les trois côtés, mais j'ai collé jusque à ce niveau-là, j'ai mis de la colle. C'est-à-dire que mes tags, ils peuvent pas aller très loin, vous voyez. Je peux les récupérer, mais je les pose ainsi. Je vais mettre ici, selon le ruban que je vais mettre ici, je vais vous expliquer après, ici, ici. Et là, je pourrais mettre ma photo. Voilà, donc de très jolis tags qu'il y avait dans la collection. Donc, je les mets là. Et derrière, donc, j'ai fait une pochette. Donc, c'est une grande pochette acétate. Donc, j'ai toujours utilisé mon acétate. Alors, celui-là, il fait 19. Alors, on va faire ça. 19 par 10,5, toujours en faisant mon ouverture ici. Vous pouvez faire un demi-cercle, hein, c'est vous qui voyez. Donc, sur l'acétate, donc j'ai mis une carte qui fait 19 par 8. Donc, 19 par 8 que j'ai doublé, où vous pouvez mettre deux photos
d'un demi, 10 cm par 15, mais après je vous montrerai tout ça, comment je vais faire. Voilà, donc je remets ma carte en laissant toujours dépasser pour bien la retrouver. Donc ça, c'était mon premier feuillet de mon deuxième livret. Nous allons passer donc aux deux derniers feuillets, le quatrième feuillet du deuxième livret. Excusez-moi, donc là, j'ai refait ma pochette acétate aux mêmes mesures, avec un matage derrière, où je peux mettre une photo ici. Donc, soit vous la mettez ici, ou soit, si vous souhaitez, la cacher, la remettre par derrière. C'est ça qui est bien avec ces petites pochettes. Voilà, je laisse toujours dépasser pour pouvoir la récupérer. Là, j'ai simplement mis donc un texte qui me plaisait bien dans une des pages. Et là, j'ai simplement maté... Ah, ça, c'est Yannick qui fait à manger. Donc, encore une fois, nous entendons la sonnette du four. Voilà. Alors, j'ai maté. Ben, là, il ne me restait plus beaucoup de papier. Hein, donc, j'avais plus beaucoup de choix. Et ici, je voulais mettre l'oiseau. Et derrière, j'ai mis donc des fleurs. Voilà. Donc, c'est simplement recouvert, on va dire. Hein, recouvert. Donc, en enlevant 0,5 en haut et en bas pour dire de voir toujours le papier de base rose ou bleu. Alors, maintenant, je voulais vous expliquer par rapport au trou. Hein, donc, je vous montre l'intérieur qui est vraiment pas très joli avec les deux, les quatre œillets, mais bon, on va dire qu'on s'en fiche. Alors, ce que j'ai fait, alors je pense, si vous me suivez, vous savez comment je fonctionne. Je ne fonctionne pas en mesure lorsque j'ai mes feuillets. Je les positionne devant mes œillets ou mes trous et je fais un point. Et ensuite, j'utilise mon outil magique qui va très bien pour pouvoir perforer. Ensuite, ce que je fais, je mets mon feuillet, mon deuxième feuillet à l'intérieur et je fais une marque avec mon crayon ici et ici, donc il faut qu'il soit bien placé. Et ensuite, lorsque j'ai mes marques, pareil, j'utilise mon outil en haut et en bas, comme ça je suis sûre sans mesure que c'est bien face à face et que mon papier sera bien mis et que mon feuillet sera bien donc à la bonne hauteur lorsque je vais mettre mes rubans. Voilà, donc j'ai fait pareil avec le deuxième livret. Donc voilà, donc maintenant je vais mettre mes rubans. Hein. Ça, je pense que vous savez comment on fait. On passe le ruban, elle repasse par derrière. Hein. Voilà, donc il sera mis comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais le finaliser et je vais vous montrer le résultat final et vous dire pour les photos, car je n'ai pas les photos, mais je vais adapter mes photos à l'album et pas mon album aux photos, je fais le contraire. C'est-à-dire que j'ai mon album et je vais adapter mes photos que je vais faire, parce que c'est des photos que je voulais faire du jardin de mes parents pour mettre dans cet album, que je n'ai pas encore pu faire vu le beau temps qu'il y a fait donc, en ce moment. Et donc, je vais adapter l'album aux photos. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que je vais chercher... Non, j'ai dit des bêtises. Je vais adapter les photos à l'album. Ou contrairement... On fait l'album par rapport aux photos. Et là, donc, je vais faire les photos par rapport à l'album que j'ai fait. Voilà, donc ça, je vais passer mes rubans, faire ma pochette devant. Et sur ma pochette devant, j'ai utilisé, donc ça, c'est un bout, parce que le papier de jolie création, de la collection Un air bucolique, est très épais. Et ça, c'était de présentation. Donc, très épais et un peu aquarelle. Je ne sais pas si vous voyez, hein, j'ai essayé avant. Donc, j'ai tamponné parce que je trouvais que ça ressemblait énormément aux feuilles qu'on retrouvait sur le vélum, hein, que je vous avais dit, je vais vous remontrer. Les feuilles ici, que j'avais un tampon qui ressemblait quand même à peu près, pas trop, hein, qui est un tampon florilège et il s'appelle Doux Feuillage. Voilà. Donc, ce tampon-là, je l'ai tamponné à la Versafine, je l'ai laissé sécher et j'ai utilisé ma palette d'action, donc parce qu'elle est métallisée et les couleurs qui sont ici, là et là, elle est très bien avec les couleurs de mon papier. Donc j'ai utilisé cette palette où j'ai aquarellé un peu, vous voyez, mes feuillages que je vais découper, je laisse encore un peu sécher, que je vais découper et que je vais agrémenter sur ma pochette. Voilà, donc je voulais vous dire que j'avais utilisé ce tampon. Donc je le finalise et je vous le montre. Voilà, donc j'ai terminé, on va dire, d'embellir cet album. J'ai fait la couverture. Bon,
On peut rajouter des choses, hein. Je peux rajouter des enamel dots ou des gouttes de nouveau, mais je ne l'ai pas fait là pour l'instant. Voilà, donc là, je l'ai fermé avec du croquelet bleu et du croquelet rose, sachant que j'ai fait les nœuds un peu plus bas, parce qu'on peut rajouter des choses aussi, hein. Pas beaucoup, je rajouterai pas beaucoup de choses, hein. Je mettrai peut-être, on va dire, une étiquette, une là et une là, quand toutes les photos seront mises. Et j'ai déjà apposé, on va dire, quelques étiquettes, hein, on va dire déjà. Jolie fleur, ça sera le titre. Rendez-vous avec le printemps. C'est ce que je voulais faire, hein, de toute façon. Donc là, j'ai découpé ce qui restait en die cut dans la feuille 30-30, hein, parce que en chute de tout ce que je vous ai montré, il me reste ça. Je me disais, je peux faire une ou deux cartes. Donc je vais les garder. Il ne me reste pas grand-chose. Et j'ai utilisé tous les die cuts de la planche que j'avais et que je vous avais montré. Donc ici en bas, j'ai mis aussi, ça c'est dans les die cuts. Ici, donc vous voyez, j'ai découpé la moitié d'une photo 10-15. Donc la moitié d'une photo que je peux sortir avec ma selfie. Et même des fois, un quart. Puisque je peux mettre 4 photos sur une 10-15 ou 2 photos. Donc moi ici, je la verrai bien ici, ma photo. Et si vous voulez vraiment que votre image, eh bien, vous mettez une petite. Hein, ça, c'est tout à fait possible avec un titre. Sachant que sur chaque bande de chaque feuille qu'il y avait dans le lot, il y avait une phrase, hein, quelque chose que vous pouvez faire agrémenter avec vos photos. Saison des fleurs, éveil de la nature, beau jour, campagne fleurie et douceur du printemps. Et même sur l'acétate, il y avait douceur de printemps aussi. Je trouvais que c'était très bien. Donc ça, je les garde pour les finaliser. Et par exemple, mettre ma photo ici. Et pourquoi pas mettre douceur de printemps ou saison des fleurs au-dessus. Vous voyez, c'est vraiment. Je trouvais ça très bien. Donc je les ai récupérés. Voilà. Donc ici, donc là, j'ai mis simplement en 3D un petit die cut chiborne, hein, limite, parce que vraiment le papier est très très. Très épais, hein. Le papier est vraiment très épais. Et même, je vous disais, le papier, vous savez, qui présentait l'air bucolique des jolies créations, et eh ben, c'est pas marqué, hein, mais enfin, peut-être c'était marqué au début, mais non, j'ai tout coupé, je sais plus, mais le papier fait du 300 facile, hein, 300 grammages. Voilà, donc là, j'ai rien mis, hein, mais on peut très bien mettre une photo comme ça, ou même une mini, je vous dis. Là, je ne mettrai pas du 10-15. Là, je mettrai une 10-15 derrière. Voilà. C'est pour vous donner un peu la façon que je vais mettre mes photos. Voilà. Ici, donc, j'en mettrai une petite. Vous voyez, tout à fait ici, pour qu'on revoie ces hexagones, ces sortes d'aquarelles et cette fleur. Bon, ici, donc, c'est la photo avec la pochette. Ici, donc, j'ai mis un onglet. Ici, j'ai mis aussi une petite flèche. Hein, pour moi, ça agrémente l'album photo. Hein, ça finalise. Ici, une flèche, et pourquoi pas mettre une date. Ici, j'ai mis deux petits onglets. Ici, j'ai mis jolie fleur. Là, pareil, hein, ma photo, ben, ça sera la moitié, un quart, pardon, d'une 10-15 que je mettrai certainement ici ou ici. Voilà. Donc là, la photo, il n'y a pas de souci. On peut la mettre ici de la grandeur que vous souhaitez. J'ai mis un brin de fraîcheur pour mettre ici. Là, j'ai mis une petite flèche où je peux mettre une date, mais je peux aussi indiquer qu'il ne faut pas oublier d'ouvrir ici cette page. Voilà, là j'ai rajouté en 3D un petit die cut qu'il y avait sur la planche. Ici j'ai rajouté une petite flèche. Là, un petit rond. Il n'y a que sur cette page, je ne sais pas où je mettrai une photo. Si je mets, ça sera une ici. Vous voyez? Un quart d'une 10-15 et en bas. Voilà. Ici, donc j'ai rajouté pour faire deux bandes pour marquer un petit journaling ou marquer une date ou une anecdote ou une phrase qui vous plaît. Là, j'ai mis un petit onglet avec mon petit oiseau et en dessous, j'ai marqué nature. Enfin, c'est une petite étiquette nature. Là, l'onglet, on voit l'onglet. Ici, en 3D, une petite fleur. Là, j'ai mis donc mon ruban croquelé, donc à l'inverse du bleu et du rose. Ici, donc, pour dire de bien attraper la page. Et puis, voilà. Ici, en haut, j'ai mis un onglet que j'avais dans ma bande de die cut. Ici, j'ai découpé dans le papier qui restait sur la feuille 30-30, qui était, on va dire, étiquette, mais un peu mélangée. Et ici, pour mettre une petite annotation ou une date. Voilà. Donc, là, j'ai rien mis. Peut-être, je rajoute avec mes chutes de papier ici quelque chose. Moi, j'aime bien remettre un rappel ici ou une date. Voilà. Donc, j'espère que cet album vous aura plu. Et c'est vrai qu'on n'a pas compté, mais sans compter le format des photos, on peut mettre une, 2, 3, 4, 5,
6, sachant qu'on peut en mettre une à l'intérieur, 7, 8, on peut en mettre 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous voyez, on peut en mettre quand même pas mal, hein, même si on met des petits formats. 21. Ici, hein, pour dire de montrer quand même une fleur, 22, 23, 24, 25, 26. Oui, on peut en mettre une petite trentaine quand même. Pas des grands formats, mais on peut mettre une petite trentaine. Voilà. Voilà le dessus. Donc moi, ben, je suis contente et j'aime bien ces couleurs d'avoir réalisé ce petit album. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci, au revoir.